Après les récents événements que nous avons eus avec les cagoulés, il était évident qu'une guerre commence. Et c'est malheureusement William qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Les cagoulés l'ont tout de suite reconnu et se sont lancés dans une course-poursuite pour attraper William. Tant bien que mal, William essaye de s'enfuir ou de chercher des membres de la Frosty Family. Mais c'était trop tard. Il n'y avait personne. Il était seul. Et les cagoulés n'ont bien sûr pas raté cette occasion pour se défouler contre lui. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Street Exercice. Voilà, donc la suite. Comme vous avez vu à l'ancien épisode, à la fin de l'ancien épisode, on s'embrouille avec les cagoulés, grosse embrouille. On va dire que c'était le début de la guerre avec les cagoulés. Et là, comme vous avez pu le voir dans l'intro, William, ils ont osé toucher William. Comment ça, mon gars, sur William? Ils ont osé prendre William, kidnapper William. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas bégayer un petit peu. On va tout de suite aller chercher William directement. Regardez, même Briscoe, il était avec sa meuf. Il était tranquillement posé avec sa meuf. Je lui dis, hey, il y a William, il s'est fait kidnapper. Il a lâché sa meuf, il a poussé carrément. Il est venu nous rejoindre directement. Tu vois, voilà, lui, c'est un gars sûr. Donc, on va tout de suite aller voir. Ce qui se passe avec William là, parce que là, c'est hyper grave le truc. Mais juste avant ça, je vais vous présenter mon tout dernier survêt PSG. Donc regardez-moi ça, petit survêt PSG, bien comme il faut. Voilà, et en plus, ceux qui me demandaient des ASICS, voilà, regardez les ASICS. Voilà, si c'est pas magnifique ça, grosse dédicace à Ichizo, il est vraiment chaud. Donc voilà, voilà. Donc nous c'est parti là, on va tout de suite aller chercher William. Donc comment ça, ils ont osé s'attaquer à William. Mais eux, ils ont pas compris qui c'est la Frosty Family, je pense qu'ils vont vite comprendre qui on est eux. Donc c'est parti. Allez, on va le chercher là. On va le chercher. Donc apparemment là, ils ont une planque. Ils ont fait une deuxième planque, une sorte de deuxième planque où William il est enfermé ou je sais pas. Ça se trouve il est même pas là-bas. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller chercher tout de suite. Parce que là, il y a pas moyen. Comment ça, ils ont osé s'attaquer à William. Mais William lui aussi, lui il est bête. Et je crois qu'en fait ce gars il est né bête. Quand il est sorti du ventre de sa mère, il était né bête en fait. C'est pas possible. Le mec toujours, c'est genre de pote en fait que t'aimes bien, que t'adores, c'est un gars sûr tout ça, mais toujours il est embarqué dans les conneries. Toujours. Et t'es obligé d'aller le sauver, d'aller l'aider tout ça. Ouais, William c'est le même cas, tu vois. De toute façon tu vois sa tête, tu sais qu'il est bête le gars. Mais voilà, c'est William, tu vois, on l'aime bien. Bon, je sais, il y en a dans les abonnés, ils l'aiment pas. Donc bon, on va garer tes max là. Attends, je regarde si c'est bien là. Ah ouais, il y a des cagoulés, ils sont là. Bon, on va garer le T-Max tranquillement. Posez-moi, on va le garer. Bon, Briscoe, j'espère que t'es prêt. Briscoe, lui, est toujours prêt de toute façon. Vous avez vu ce qu'il a fait dans l'avant-dernier épisode. Voilà, vous savez, Briscoe, il est là. Bon. Alors, regardons un peu là. Qu'est-ce qu'on a là?
Attends, je vais sortir mon téléphone. Je vais voir s'il s'agit bien des cagoulés là. Ah ouais, effectivement, il y a des cagoulés. Ok. Attends. William, viens. Ah, oh, putain. Je suis tombé bêtement. Attends, là, il y a un membre des cagoulés là. Il est distrait, apparemment. Il y en a deux distraits, on va essayer de se les faire. J'ai pas une batte de baseball là avec moi là? Non, j'en ai pas. C'est pas grave, on va taper au poing. Ok, ils sont distraits, je sais pas ce qu'ils sont en train de regarder. Mais ils m'ont vénère en tout cas. Eh vas-y, eh on le défonce. Eh rendez-nous William là, bande d'enfoirés. Rendez-nous William là. Qu'ils se prennent. Viens Brisco, on se les fait tous, on se les fait tous. C'est des ouf. Eh rendez-nous William là, rendez-nous William. Oh, rendez-nous William. Eh ils sont en train de partir. Ok, en fait ils faisaient juste les gardes quoi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ton arme, hein? Foiré, va. Eh, rendez-nous, William. Où tu crois aller comme ça, toi? Oh, attends. Ah, lui, toi, tu veux faire le fou, toi. Brisco, termine-le, Brisco. Termine-le, Brisco. Brisco, viens, on le termine, lui. Termine-le! Termine-le, voilà, dans le dos. Eh, il est où, William? Eh, où t'as mis, William? Où t'as mis, William? Bon, vas-y, je crois qu'ils ont pas compris. Allez, vas-y, on les attrape tous. On les attrape tous. On les attrape tous. Ah ouais, carrément. Et par contre, lui, il est dangereusement armé. Ouh là là. Ah ouais. Ok, il y en avait en haut, en fait. Rendez-nous, William, là. Il est où, William, là? Vous l'avez mis où, William, là? Il y a un truc qui est derrière, là, j'ai l'impression. Il y a un truc derrière, là. Comment on peut rentrer là-bas? Bref. Ok, les cagoulés. Ah, ok, c'était ceux devant, là. Ils sont partis, là. Où est-ce qu'ils ont mis William, là? Bon, déjà, ça va, on s'en sort bien. On les a bien maîtrisés. Par contre, l'autre, vous avez vu comment elle était équipée, comment elle était breliquée? Oh là là, elle était vraiment OP là, c'était celui-là. Vous avez vu l'homme qui nous a sorti là? Mais non, c'est pas possible ça. C'est quoi ça? Ok, Brisco, il a fait le taf. C'est Brisco qui l'a éteint celui-là. Ok. Bon, faut qu'on trouve William lui. Où est-ce qu'il peut être? Où est William? Faut le chercher, faut le trouver, William. William! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où, Brisco? Il est où, Brisco? Ok, Brisco est en confrontation, là. Ça vient d'où? 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 Ça, c'est un cagoulé, ça. Mais ça vient d'où? Quand t'entends ce gros bruit-là, c'est même pas de la rigolade. Ça, c'est les cagoulés. Bon, bref, où est-ce qu'il est? 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 Ah là là, lui va nous poser problème, le gars. Bon, bref, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve William. Où est-ce qu'il est, William? Putain. Ah ouais. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Attends, j'ai l'impression, là, il y en a un pas loin, là. Eh, rendez-nous, William, là. Rendez-nous, William. Bon, où est-ce qu'il est, William? Ah, putain. Ah, on est dans la merde. Bon, on peut pas grimper ici, là? Y a pas un moyen de grimper ici, ou je sais pas. Putain. Il faut qu'on grimpe, faut qu'on trouve un truc, là. Faut vraiment qu'on trouve un truc. Pour grimper, ou je sais pas. Putain, il est où, William? Il est où, William, là? Putain, où est-ce qu'il est, William? William. Mais non. Je rêve. Mais non, ils sont sérieux, là? Putain, comment ils ont maltraité William? William. William. Eh hey William, réveille-toi gros. William. 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 Putain William, mais non William. Oh là là, merde. Ah ouais, ils l'ont vraiment mis mal. William, t'inquiète, ça va aller gros. T'inquiète même pas, ça va aller. Vas-y, viens. Et hey, lui, on va le ramener à une voiture là. Eh hey, Brisco, appelle Samir, dis-lui de ramener une voiture là. Parce que là, ça va pas, William là. Il est vraiment mal. Elle est vraiment mal, William. Elle est dans le mal, là. Je sais pas, on va essayer de le déposer quelque part. Putain, c'est chaud. Ils sont sérieux, là, les cagoulés. Ils ont pas eu de pitié envers William. T'inquiète, William, ça va aller, mon gars. On te ramène au quartier tout de suite. Bon, l'essentiel, là, c'est qu'il a envie, là. Parce que là, je vois qu'il a envie, mais il est vraiment mal. Ah, il est dans le mal, il est dans le mal, il est dans le mal. Il est dans le mal total. Ah, il est dans le mal, mais total.
Vas-y, on va le ramener, on va prendre une voiture, je crois, vas-y, je crois, on va prendre une de leurs voitures à eux, hein, parce que là, on va prendre une de leurs voitures, là, on va le ramener au quartier, parce que là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ah, c'est chaud, le pauvre, il est inconscient, là. William, ça va ou quoi, William, là? Ah, c'est comment, là, putain? Bon, c'est bon, là, on a pu récupérer William, là, on va se barrer là, maintenant. Ils sont sérieux, les cagoulés, franchement, eux, on va leur faire payer, hein. On va vraiment leur faire payer, là. Bon, vas-y, on va se barrer de là. On a le petit William là, il commence peut-être à se réveiller petit à petit, je sais pas. Donc, comment on sort d'ici là? Allez, on y va, on se barre de là. On retourne au quartier tout de suite. Et il y a un cagoulé. Bon, toi, tu vas prendre cher, mon gars. Voilà, c'est ça qu'on fait au cagoulé, nous. Comment ça? Hein? T'es encore là, toi? Mon pote. Oh. Alors, lui, attends, lui, il va voir. Lui, on va voir. Vous avez voulu prendre William, vous? Vous avez voulu prendre William? Hein? Tiens. Attends, tu vas voir ce qu'on va lui faire, lui. Le pauvre, il va pas comprendre. Vas-y, viens. Tiens. Voilà, petit enfoiré. Ouais. Tiens, là. Attends, on va l'achever. Moi, je vais l'achever parce que je rigole pas avec lui. Vas-y, t'as de la chance. T'as de la chance, ça apprendra de leçon. Je voulais l'achever, mais vas-y, nous, on n'a pas le temps. On va se barrer de là, là, avant que la police, elle débarque. Allez, vas-y, on retourne au quartier. L'essentiel, c'est qu'on a pu récupérer William. Ah ouais, putain, c'est des ouf, eux. Ils se sont permis de prendre William comme ça. Mais eux, ils ont déclaré la guerre, là, c'est fini. Même s'ils sont en vérité, ils sont plus chauds que nous. Attends, là, il y a un autre cagoulé, là, ou quoi? Je crois qu'il y a un autre cagoulé. Bon, vas-y, on va le laisser, c'est pas grave. Même si, en vérité, ils sont plus chauds que nous. Que ce soit par le nombre. Que ce soit par le nombre ou les équipements, ils sont mieux calibrés, mieux organisés, tout ça. Mais la vérité qu'ils savent pas c'est quoi la Frosty Family. On va leur montrer c'est quoi la Frosty Family. Non, c'est des fous. Bon, l'essentiel, comme j'ai dit, c'est bon, on a récupéré William. Ce grand fou de William là, on l'a récupéré. Voilà, il est dans le mal là, il est derrière là. Il essaie de se rétablir petit à petit, mais ça se voit, ils l'ont bien torturé quand même. Hein. Mais, ah, les cagoulés sont plutôt comme ça, d'accord. Mais je crois qu'on va faire la même chose. Dès qu'on peut, on va faire la même chose. On va prendre les cagoulés. On va en prendre un là. Bon, où est-ce que je peux mettre William, moi? Attends, on va aller un peu plus loin dans le quartier. Ouais, je crois qu'on va. Attends, on va aller un peu plus loin. C'est mieux. C'est mieux qu'on aille un peu plus loin là dans le quartier. Et la voiture, elle est cabossée, mais on s'en fout de leur vieille voiture là. On va la brûler d'ailleurs. Vas-y William, on va le mettre dans un bat là. On va le mettre où William? Regardez, regardez, tout le quartier sont choqués, ils ont dit tu vois, ils sont en mode putain William il est revenu, tout ça, regardez. Tu vois les gars du quartier là, ils sont tous sortis. Là. Ils sont tous sortis. Sans exception. Bon, vas-y, on va le déposer William là. Qu'est-ce qu'ils veulent eux encore? Qu'est-ce qu'ils veulent eux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh, hey, sortez de notre quartier là! Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là là? Oh putain! Dans notre quartier là? Putain, c'est pas possible! Eh, hey, c'est pas possible! C'est pas possible! Oh là là, c'est grave ça! Oh, c'est grave! C'est grave, c'est grave! On peut même pas réfugier William dans la tranquillité ici! Hein? C'est la street zère partout, tout le temps, 100% street zère quoi. Y a pas un moment où on peut pas être en mode street zère et on peut calmer William, on peut pas ça, hein? Putain. Attendez, je crois que William il est réveillé. William il est réveillé. Ah, William il est réveillé. Eh, William il se réveille avec un doigt d'honneur. C'est un ouf lui, c'est un ouf, c'est un vrai cas ce mec, c'est un vrai cas. Eh, c'est un cas ce mec, c'est un cas. Eh, profitez-en pour soigner William aussi là. Eh, mais là ils ont fait du sale là les gars là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait là. Bref. Eh, vu que les sapeurs-pompiers sont là là. Bon, William il a l'air d'aller mieux, le gars il se réveille en doigt d'honneur, au calme. Oh putain, bon on va se poser, on va voir ce qu'il en est avec William là. Vas-y, fille famille, vas-y, fille, vas-y, fille, vas-y, fille famille.
Ah, ils vont bien, les gars. Voici FIFA Mini, voici FIFA Mini, voici FIFA Mini, voici FIFA Mini. Ah, ils vont mieux, les gars, ils vont mieux, les gars, sûr, ils vont mieux, ils vont mieux. Bon, bah, ça va, ça me rassure. Ça me rassure, mon gars. Ah là là, tu m'as manqué, toi. Mais arrête de rentrer dans les embrouilles, toi aussi, hein. Faut plus rentrer dans les embrouilles, là, parce que là, franchement, tu m'as fait peur, William. Bon, ça va, il va mieux, le gars, mais waouh. Et il nous a fait flipper, quand même, hein. Franchement, il nous a fait flipper de fou. Le gars, direct. Non, là, ça mérite une danse, là. Ouais, on va danser ça. On va danser ça. On est libéré. On a libéré William. Les cagoulés font trop les fous. On va les calmer dans la plupart du temps. On va calmer tout ça. FIFA Mini. FIFA Mini. Ah, il y a le gars sûr Samir qui est là. Comment ça va, Samir? Tranquille ou quoi, Samir? Voilà, bon bah Samir, comme vous avez pu le voir à une des intros d'un épisode, l'épisode de la puissance du T-Max, Samir, comme je vous avais dit, c'est vraiment un gars sûr, c'est un ancien, il connaît vraiment les bonnes failles pour faire beaucoup d'argent. Mais là, il m'a dit que franchement, ce qui arrive à William, c'est juste pas possible. Donc il a dit, vous savez quoi les gars, on va aller chez les cagoulés, on va tous les canarder. Il est déterminé le gars. Samir, il est déterminé. Donc on va faire ça tout de suite, il n'y a pas de souci. On va y aller. Donc bah c'est parti, hein. Nous on va aller faire un tour chez les cagoulés parce que là faut qu'ils comprennent un petit peu à qui ils s'attaquent, tu comprends? Tu vois? Faut qu'ils comprennent. Parce que là ils ont voulu faire les oufs avec nous, mais ils savent pas qui on est en fait. Donc maintenant faut qu'on leur montre, c'est tout, c'est ça ou pas? Faut leur montrer qui on est, comme ça ils recommencent plus. Tu vois? Donc vas-y, moi je dis, on va aller faire un tour là-bas. On va aller faire un tour chez les cagoulés. À 4, je pense que ça fera largement l'affaire. Allez, c'est parti, on y va. On va aller terminer eux. Ils vont rien comprendre. Le premier cagoulé qu'on voit là, c'est fini pour eux. Là, on est en forme là. Bon alors les gars, là, on est de retour avec William là. Vous avez osé faire les fous, vous? Hein? Attends, on va faire un petit tour là où ils sont le plus nombreux. Bon là, je vois qu'il y en a 3. Je vais voir s'il y en a un peu plus là. Parce que là, j'ai envie de faire un carnage, là. J'ai envie de faire un carnage sur eux, là. Regardez, là, ils sont là, ils font les oufs, là. Ils ont osé s'attaquer à... Et vas-y. Allez, vas-y, on les termine. Vas-y, les gars, vas-y. Allez, les gars, là, on les termine. Venez, on sort. Nous, on sort carrément. Ils font trop les fous, eux. Les gars, vas-y, les gars. Par contre, il y a la police qui arrive, là. Oh, regardez, Samir, là, qu'à moi, un fusil. Ok, bon, par contre, ouais, c'est bon. Attends. Venez, on retourne dans le véhicule, là. Les gars, venez vite. Putain, j'ai cassé une portière, carrément. Vite. Les gars, remontez vite. Remontez, les gars, remontez. Samir, qu'est-ce que tu fais, Samir? Allez, viens, là. Allez, on se barre de là. Putain, j'ai cassé une portière, carrément. Ah ouais, c'est chaud, là. Bon, franchement, pour moi, on n'a pas assez fait du sale, là. On les a pas assez calmés, là, les cagoulés. Faut qu'ils comprennent, pour histoire qu'ils recommencent plus. Ah, ça m'énerve. Bon. Allez, là, on se casse d'ici. Ah ouais. Bon, je sais pas comment on va faire, là. Oh, l'hélico. Il s'est pas piloté le gars. Bon. Bref, c'est pas tout ça là. Faut vraiment qu'on se casse. Là. On se barre d'ici. Et vas-y, tu sais quoi, on va se réfugier là. On peut pas se réfugier ici là. Putain. Oh là là, non, ils sont trop nombreux. Faut qu'on avance. Ils sont trop nombreux. Merde. Putain, j'ai du mal à conduire là, je crois, ils ont pété une roue. Bon, vas-y, on va se barrer de là. Waouh, c'est chaud. Bon, je crois qu'on va passer par le quartier. Hein. Ah, il veut nous barrer la route. Putain, faut absolument qu'on trouve une planque. Ah, c'est des forceurs, eux. Hein. On peut même pas faire des règlements de compte ici.
peut pas faire des règlements de compte tranquillement ici. Eh vas-y, rien à foutre, on va là. Vite, vite, les gars, vite, vite. Courez. C'est bon, vite. Allez, les gars, on rentre. Ok, venez. Venez, les gars, c'est bon, on a une petite planque. Rentrez tous. Putain, y'en a, ils sont restés dehors, les fous. Ouf. Putain. Bon, Brisco, y a seulement toi, là, qui est là. Je crois que les autres, ils se sont cachés ailleurs. Je sais pas où ils sont cachés. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe, là? Je crois qu'ils sont à l'autre bout, là, les autres, c'est bon. Ils sont cachés, ça se voit. Ouais, ils sont bien loin. Eh, hey, William, j'espère qu'il va pas avoir encore de soucis. Ouh là là, ah ouais, c'est chaud. Bon, Brisco, on ressort ou pas, là? On saute? Je crois qu'on va devoir ressortir, hein. Parce que là, si c'est pour perdre un autre de notre gars, là. Bon, j'ai une autre arme. Ok, bon, c'est bon. C'est bon. Ça a l'air de s'être calmé, tout ça. Je crois qu'ils se sont cachés. Vas-y, on va essayer de ressortir. Ok, les gars, c'est bien, les gars. Bien joué, les gars. On va retourner, on va essayer de prendre un autre véhicule. Attends, je regarde s'il n'y a pas les policiers pas très loin, là. Ça m'a l'air bon, hein. Ça m'a l'air bon. Putain, il y a encore des cagoulés. Et j'ai encore envie de régler mes comptes avec eux, là. Ce qu'ils ont fait à William, faut qu'ils comprennent. Bon, venez, on s'équipe, les gars. On est équipé. Surtout, Samir. Et là, ils vont pas comprendre. Bon, attends, déjà, il nous faut une voiture de secours avant de faire le coup, là. Mais là, tu sais quoi? Regarde, là, on a une voiture. Bon, c'est une vieille voiture. Attends. Et les cagoulés, là, ils nous voient, ils se posent pas de questions, là. Hey, ils commencent déjà à décamper. Vous allez où? Hein? Vous allez où, vous? Où est-ce que vous allez comme ça? Bande de fous, va. Bon, vite. Faut qu'on trouve un véhicule, là. Faut qu'on trouve un truc tout de suite. Oh, putain, y a pas de véhicule. Ah, oh, ouais. Bon, vite, c'est quoi? On va retourner à la planque avant que la police arrive. C'est aussi simple que ça. Et on va retourner à la planque tout de suite. Les gars, venez tout de suite. On retourne à notre planque. Merde, elle est où? C'est où l'entrée? Putain. Allez. Oh, c'est chaud. Les gars. Perdez pas de temps avec la police. Venez là. C'est mieux. Oh, c'est mieux. C'est mieux qu'on reste en retrait maintenant. C'est mieux. Voilà, on reste caché. C'est mieux parce que là, vas-y. Ça sert à rien de... Vas-y, moi, je vais me cacher là. Les autres, je sais pas où ils vont se cacher. Moi, je reste caché là. C'est bon, ils vont pas nous trouver comme ça, là. Putain. Bref. Bon, je crois que nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus, hein. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cet épisode de Street Zer vous aura plu. Et, waouh, c'est chaud. C'est chaud. C'est très, très chaud dehors. Ah, putain, c'est ça, la Street Zer. Bref. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. Et puis, vas-y, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine et bye bye. Ah ouais, aussi, je suis bête, moi. Bonne année, hein. Bonne année. Et le mec, à la fin de la vidéo. Ah ouais, bonne année, tous mes abonnés. Toute la Frosty Family, bonne année. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, nous, on se retrouve très vite et voilà. Vas-y, les gars. Portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre des j'aime. Voilà. Frosty Family. Et pour le prochain épisode, vous inquiétez pas, ça va être très, très chaud. Ça, c'est sûr.